Walisema kama ni yeye iko nafanya complicité na bakubwa. Hapana. Yeye nyumba yake ni ya kukonserve vitu na watu yote tunaona kulinganya basoda. Bakubwa yetu ndio tunachelewesha. Ndio maana mpaka hivi hatujapata kitu. Na hivi tuko tunangoya mpaka hivi tangira wakati tulifanya reclamation kwa Molière. Mpaka hivi hatujapata kitu tuko tunangoya. Niko kapiteni mweko mule ndani anasema kata tupatia 100 tuyapata. Huyu baba hana maneno. Bon, si ka entre temps n'a pas de tort sur la distribution. Il n'a pas de compétences. C'est seulement les autorités militaires qui nécessairement peuvent distribuer la ration aux orphelins et aux veuves. Sur ce, toute déclinaison est faite maintenant en charge de ce papa, puisque lui n'y est pour rien. Il n'y est que pour conserver. En tout cas, je termine pour ça. Nous attendons. On ne sait pas si on va nous servir à quelle heure. Nous avons à peu près 10 heures maintenant. On attend le major et les autres autorités. Merci. C'est ça les conséquences de parler comme un perroquet sans toutefois peser les paroles. Or, savoir parler, c'est peser d'abord les paroles pour éviter le risque et les conséquences qui en découleront. Ce papa a discrédité la chambre forte NK en disant que la chambre forte NK est en complicité avec les autorités chargées de la distribution des rations en faveur des veuves et des orphelins militaires, donc des détournements. Tout ça s'était passé le 6 juillet 2010. Mais aujourd'hui, nous sommes le 7, il déclare que j'ai eu ma part de cette ration. Après la pluie, c'est le beau temps. Vous voyez tout ce que nous disions concernant la non-distribution des non-produits divulgués à la chambre froide NK. La chambre froide n'avait pas de problème. Maintenant, nous sommes avec le papa de la chambre froide ici. Et voici maintenant qu'on nous donne quelque chose. Et nous avions vraiment, disons, une petite colère concernant le temps que nous avions passé et surtout les transports qui étaient difficiles à cause des embouteillages et le nombre de jours que nous faisons. Et endormir même sur les ciments devant la chambre froide, c'est tout ce qui nous a poussé à parler de n'importe quoi. Maintenant, nous sommes totalement contents. Regardez le sachet qui est ici. Ce sont les produits qui viennent de la chambre froide NK. De la chambre froide NK. Donc disons, ce papa, réellement, n'a pas de problème. Il nous a très bien conservé nos affaires. Cette chambre froide n'a pas de problème. Et nos autorités aussi militaires, qui ont maintenant pitié de nous, viennent de nous saisir. S'il y avait un peu de polémique entre nous et eux, et elles plutôt, je m'excuse. Maintenant, nous sommes ensemble. Personne ne peut jamais garder rancune contre l'autre. Nous resterons père et fils et père. Je crois que cette rancune est terminée. Nous avions seulement besoin de nos produits d'ivriers qui étaient donnés par le chef de l'État. Merci. Lui-même vient de donner raison à la chambre froide NK dans 24 heures, ainsi qu'aux autres concernés, tels que le major qui était chargé de cette mission avec son équipe pour la distribution de cette ration aux ayants droit. Il avait publié des accusations gratuites et mensongères à la télévision Molière. Donc, il a commis 3 actes infractionnels ci-dessous. 1. La dénonciation calomnieuse. 2. Les injures publiques. 3. La réputation dommageable qui est punissable par la loi pénale. Vu tout ce qui précède, la chambre froide NK, qui est victime de ces 3 infractions, se propose d'engager une bataille judiciaire contre l'intéressé pour que ce dernier soit sévèrement poursuivi et puni conformément à la loi par les cours et tribunaux de la ville de Kinshasa. Ceci lui servira d'une correction pour lui empêcher de ne plus répéter les mêmes actes. Cependant, étant donné que ce papa vient de demander pardon, la chambre froide NK accepte son pardon et lui pardonne de tout cœur
tout en se réservant de lui poursuivre judiciairement au cas où il reviendrait sur les mêmes erreurs. Car la chambre froide NK jouit d'une personnalité juridique. Un homme averti en vaut des